contrat puisque les investissements aboutissent. Donc c'est un emprunt hors marché public, mais il y a quand même une mise en concurrence. Nous avons reçu deux offres, une offre de Belfius et une offre de ING. La différence est estimée à 3 768,47 € sur toute la durée du crédit, ce qui revient à 188,42 € par an, puisque c'est un emprunt sur une durée de 20 ans. Voilà, en faveur d'ING, mais nous vous proposons de choisir Belfius, qui s'engage à fournir le profil financier de la commune et qui réalise les opérations d'encodage. Alors que si on prend ING, ben, il faudra alors que ce soit les employés communaux qui s'occupent de l'encodage. Donc nous vous proposons, pour une différence comme ceci, de choisir Belfius. Pour un emprunt pour la somme de 450 000 euros pour couvrir des projets divers comme les sanitaires du service travaux, l'éclairage du hall sportif, la création d'un agora space, le marché des stocks matériaux pour la réfection de diverses voiries, la réfection de diverses voiries, le remplacement du serveur et l'achat de matériel informatique, l'achat d'une camionnette, l'achat de columbarium, l'achat d'un véhicule de service, l'achat d'une trémie, la création d'une agora space à la Brooke et le paiement d'auteur de projet pour l'aménagement de la place du marché. Donc ce sont tous les projets que nous avons votés sur base de financement. Maintenant que nous avons les montants exacts, puisqu'ils sont presque tous finalisés. Oui. Serait possible d'obtenir une liste détaillée en poste par poste pour ne pas avoir vous les montants. C'est le budget. C'est la liste d'investissements qui s'est pris pour rentrer dans le budget. Oui, oui. Ici, je vous rappelais les différents projets qui sont couverts par je parle des postes qui interviennent dans ce prêt-là. C'est tout ce qui est dans le budget 2017 à l'extraordinaire, par an. Tout est dans le document que vous avez, quoi, déjà. C'est ça, on est d'accord. Je me demandais si on pouvait avoir le tableau, le salaire des capitaux. Mais en fait, vous l'avez dans votre budget extraordinaire. Alors, vous regardez dans le tableau récapitulatif des différents projets à l'extraordinaire, et dans chaque colonne, vous avez le mode de financement. Ouais. Et donc, vous regardez tous ceux qui sont financés par emprunt, et donc vous avez la liste que je viens de vous citer. D'accord. Ça va ? Okay, j'y vais voir. Ça va. Merci.